nous te bénissons et nous te célébrons ce matin. Tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur de gloire, le seul qui mérite la louange, le seul qui mérite l'adoration, le seul qui mérite l'élévation. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu. Et ta parole nous dit, Seigneur, que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Papa, nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour reconnaître tes bontés, pour reconnaître tes compassions, pour reconnaître, Seigneur Yahweh, que nulle était ta grâce éternelle, Dieu des armées. Nous ne serons pas là ce matin. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur mon Dieu, en toute humilité éternelle, Dieu des armées, nous prosterner à tes pieds, Papa, pour te rendre grâce, pour te glorifier, pour te magnifier, Papa. Oh Yahweh, merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ceux qui sont à la maison. Merci pour ceux qui sont ici. Merci Seigneur Yahweh Papa pour tout ce que tu as mis à nos côtés éternel Dieu des armées. Merci pour cette année. Merci pour cette semaine qui vient de se terminer et celle qui commence Seigneur notre Dieu. Combien Seigneur mon Dieu ont commencé cette année avec nous. Combien, Seigneur, Papa, étaient dans la joie le 1er janvier 2023. Mais ils ne sont plus là, Papa. Combien, Seigneur, notre Dieu, Papa, jusqu'ici, éternel Dieu des armées, tu nous as secourus, Papa. Tu nous as secourus, Papa. Oh, Yahweh, nous sommes le fruit de ta grâce. Nous sommes le fruit de ta miséricorde. Nous sommes le fruit de ta compassion, Papa. Nous ne l'avons pas mérité, éternel Dieu des armées. Nous n'avons rien mérité, Papa. Ce n'est que ta grâce, Seigneur, qui nous a localisés encore, Père éternel. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, Papa. Nous sommes là, Seigneur, notre Dieu. Nous revenons à tes pieds ce matin, comme c'est le prêtre, Papa, qui est venu à tes pieds, qui est retourné pour venir te dire merci, parce qu'il a réalisé que c'était toi seul, Papa, c'est toi qui as fait qu'il puisse recouvrir sa santé, Papa. Il a reconnu en toi, Seigneur, le Dieu de sa vie, le Seigneur de sa vie, le Dieu sans qui il ne pouvait rien faire. Oh, Papa, nous sommes là. Nous sommes là à tes pieds éternels. Nous sommes là à tes pieds, roi des rois. Nous sommes là à tes pieds, le Seigneur des seigneurs, pour te rendre grâce, Seigneur, pour t'adorer, notre Dieu, pour t'élever, Papa, pour te célébrer, Seigneur, notre Dieu. Merci, Père. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Bien-aimé, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Adonai.
donne le sourire à la personne qui pleure. Yes. Tu es le refuge de l'opprimé et de celui qui a tout perdu. Tu es celui qui garde, qui soigne, qui élève l'abandonné, le rejeté. You take care of me. 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 Family, you take care of me. You take care of me. When I'm lacking, you take care of me. You take care of me. When I need you, you take care of me. Wrap me in your arms. Ah, 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 ah,
Acclamation à notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. 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 Surely. Ce matin, nous allons disposer nos cœurs. This morning, we're going to make our hearts available. Nous allons déposer nos cruches auprès du maître. We're going to place our burdens at the feet of the master. Pour recevoir cette eau de vie qui donne la, qui étanche la soif pour l'éternité. To receive that water of life that quenches Prions the thirst pour la parole eternity. Et pour l'homme de Dieu. Let's pray for the word and for the man of God. Papa, nous sommes là ce matin. Father, we're here this morning. Comme la femme samaritaine, Père. Like the Samaritan woman. Déposons nos cruches. Parce que c'est auprès de toi qu'il y a les paroles de vie. Leaving our buckets before nous voulons you recevoir you cette parole, Papa, qui donne la véritable vie, we want to qui donne le véritable life, repos, that gives qui rest, donne la véritable paix, that gives qui peace, donne la vie éternelle. That gives eternal Dispose life. Nos cœurs, Seigneur, Make our hearts available, que cette parole tombe sur une bonne terre, May that word fall qu'elle on good porte ground. Des fruits dignes de repentance, May it bear des fruit fruits qui demeurent, Papa. Worthy That fruit Merci that dwells, Seigneur Father. Pour ta parole. Thank you, Father, for your Laisse word. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, Papa, May that word, puisse Lord nous God. Donner la guérison et la délivrance, give, Seigneur give mon us Dieu, healing and deliverance, au nom Lord. De Jésus. In the name of Jesus. Père éternel, Papa, nous Father, te recommandons ton serviteur qu'il puisse disparaître et que toi tu apparaisses, Seigneur, qu'il soit juste un instrument, un simple canal, dans le nom de Jésus. Prends-le puissamment, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. So we pray. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. J'invite Papa pour la parole. Amen. 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 Ouvrez votre Bible. Open your Bibles. Nous lisons ce matin dans Luc au chapitre 10. We're reading this morning in Luke chapter 10. Et nous allons commencer à partir du verset 38. And we're going to begin from verse 38 jusqu'au verset 42.
all the way to verse 42. Luc chapitre 10. Luke chapter 10. 38 à 42. From verse 38 all the way to verse 42. Et nous sommes toujours dans notre thème. And we're still in our theme. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Suivez dans la langue que vous avez dans votre Bible. Follow the language that you have in your Bibles. Et dans la salle et à l'écran, nous allons lire en français. And in the room and on the screen, we will be reading in French. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe, étant affairée aux nombreuses tâches de service, elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. 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 Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Ce moment, je veux que ça soit un moment de décision. This moment, I want it to be a decisive moment. Et je veux que tu prennes ce moment de décision très au sérieux. And I want you to take this decisive moment very seriously. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Décide quelque chose aujourd'hui. Decide something today. Après avoir écouté ce message. After having heard this message. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Vous savez, si nous prenons ce que tu es aujourd'hui. You know, if we take what you are today. Nous rassemblons ce que tu es aujourd'hui. We gather up what you are today. En grande partie. A large portion. C'est les résultats. Is the result. Les décisions que tu as prises hier. Of the decisions that you made yesterday. Voilà pourquoi décider est très important. That's why deciding is very important. J'ai entendu un homme de Dieu. I heard a man of God. Il est au Nigeria. He's in Nigeria. Il a rencontré un homme. He encountered a man. Soulard. Who was drunk. Qui n'a rien fait dans sa vie. Who had done absolutely nothing with his life. Qui a détruit sa vie avec l'alcool. Who had destroyed his life with alcohol. Quand vous regardez le monsieur. When you look at the man. Vous avez pitié de lui. You feel bad for him. Il a eu pitié de cet homme-là. And so he felt bad for this man. Parce que cet homme avait, on lui a montré aussi l'enfant de cet homme-là. Because this man had a child, and so they showed him the child of this man. Et comme on dit, tel père, tel fils. And since they say like father, like son. Il a regardé le fils, le premier fils de cet homme-là. He looked at the eldest son of this man. Il a eu pitié. And he felt sorry. Il dit, mais comment ta vie est comme ça? He said, how was your life like this? Voici la réponse de ce garçon-là. Here is the answer of that young man. Qu'est-ce que vous attendez? He said, what do you expect? Si je suis élevé par cet homme ici. If I've been raised by this man. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? What do you expect from me? Si c'est cet homme ici qui m'a élevé. If it is this man who raised me. Qu'est-ce que vous attendez de moi? What do you expect from me? L'homme de Dieu était triste. The man of God was sad. Mais il était surpris. But he was surprised. Qu'on lui a présenté un autre jeune homme. That they presented to him another young man. Ça, c'est le deuxième fils de cet homme-là. And they said, this is the second son of this man. Quand il a regardé le deuxième fils. When he looked at the second son. Le deuxième fils a terminé l'université. The second son had finished his university studies. Responsable. Well, responsible man.
Il dit, c'est pas possible. And he said, it's not possible. Toi, tu es l'enfant de cet homme. You are the son of this man. Il vous a élevé vous deux. And he raised both of you. Comment toi, tu es comme ça? How is it that you are this way? Voici la réponse de ces garçons-là. And here is the answer of that young man. Qu'est-ce que vous attendez? He said, what do you expect? De quelqu'un from someone qui a été élevé par un homme comme ça. Who was raised by a man like this. Maintenant, il était confus. Now he was confused. Les deux enfants the two children donnent la même réponse. Gave the same answer. Il demande au deuxième garçon, explique-toi. And so he asked the second son, explain. Ça, c'est ton frère. Because your brother élevé par cet homme. Was raised by this man. Ça, c'est toi. And you élevé par cet were homme. Raised by this man. Mais qu'est-ce qui fait la différence? But what makes the difference? Le deuxième fils a dit ceci. And the second son said this. J'ai décidé. I decided. Que cet exemple ici that this example ne va pas se répéter dans ma vie will not be repeated in my life, et ne va pas se répéter pour les enfants que moi j'aurai. It will not be repeated for the children that I will have. C'est la décision que j'ai prise. It's the decision that I made à cause d'être élevé par cet homme because of being raised by this man qui fait de moi ce que tu vois. That makes of me what you see. Alors l'homme de Dieu a compris. And so the man of God understood. La décision, the decision que le premier garçon a pris that the first son a fait de lui qu'il ressemble à son père. Made it so he resembled his father. La décision, the decision que le deuxième fils a pris that the second son took a fait de lui ce qu'il est complètement différent de son père. Made him completely different from his father. Ta vie your life va monter l'épreuve. Will show the proof des décisions que toi tu prends. Of the decisions that you've made. Revenons dans le message. Let's go back into the message. Cette parenthèse était importante. That parenthesis was important. Nous allons revenir sur ça lors de la prière. We're going to come back on it during the prayer. Nous voyons ici we see here au verset 38 in verse 38 Jésus et ses disciples Jesus and his disciples étaient dans leur chemin. Were on their way. Il est arrivé dans un village. And he arrived to a certain village. Et il y a une femme. And there was a woman. Qui s'appelle Marthe. Whose name was Martha. Elle a pris la décision. And she made that decision. D'inviter Jésus. To invite Jesus. Elle a ouvert sa maison. She opened her home. Elle a invité Jésus. She invited Jesus. Dit, Jésus, Jesus viens manger chez moi. Will come and eat at my house. Oh, j'ai béni Dieu pour Marthe. I bless God for Martha. Quelle décision. What a decision. Quelle idée. What an idea. J'ai béni Dieu pour Marthe. I bless God for Martha. Parce qu'elle n'a pas hésité. Est-ce que Jésus va vraiment accepter? Il ne va pas accepter. Est-ce que... Non, elle a décidé. Jésus, tu viens chez moi aujourd'hui. Because she didn't hesitate and say, will he accept, won't he accept? She decided, Jesus is coming to my house today. J'ai béni Dieu. I bless God. Pour Marthe. For Martha. Parce que quand je vois... Because when I see les gens qui suivaient Jésus, the people that were following Jesus, ce jour-là, il n'y avait pas la foule. Il était avec ses disciples. On that day, there was no crowd. He was with his disciples. Mais dès qu'il arrivait quelque part, but as soon as he arrived et qu'on attendait que Jésus est ici, and they told him Jesus was here, la foule, the crowd, venait seulement pour prendre, would just come to take, guéris mon enfant, heal my son, donnez-nous à manger, give us food to fais eat, ceci, do this. Mais Martha, but Martha, elle décide de donner. She decides to give. De nourrir Jésus. To feed Jesus. Oh, j'ai béni Dieu pour Marthe. I bless God for Martha. Que Dieu multiplie des Marthe. May God multiply the Marthas. Qui, au lieu de regarder seulement, qu'est-ce que je peux avoir? Who, instead of looking at what is it that I can take. Elle dit, qu'est-ce que je peux donner? They say, what can I give? Je sais que Jésus plus les disciples, c'est un petit groupe quand même. I know that Jesus plus the disciples was a nice-sized group. Je vais commencer à travailler et tout ça. So I'm going to begin to work. Mais je vais être une bénédiction. But I want to be a blessing. Je vais être une bénédiction. I want to be a blessing. Deuxième chose pour laquelle je bénis Dieu pour Marthe. The second thing for which I bless God for Martha.
La Bible dit la maison de Marthe. The Bible says that Martha's house. Ça me fait penser. It makes me think. Qu'elle était la sœur aînée. That she was the eldest daughter. Parce qu'elle n'habitait pas seule. Because she didn't live alone. Il y avait Marie là-bas. There was Mary there. Sa sœur. Her sister. Et plus tard, and later on, on apprendra qu'ils avaient un frère. We would learn that they had a brother. Qui s'appelle Lazare. Who was called Lazarus. Certainement Lazare aussi habitait là-bas. Certainly Lazarus also lived there. Elle embarque sa maison. So she takes her whole household. Elle ne demande pas est-ce qu'on peut inviter je non non moi je suis grande sœur ici. She didn't ask, can we invite Jesus? No, she said, I'm the eldest sister. Jésus vient ici. Jesus is coming here. Elle embarque sa famille. And so she grabs her whole family. Oh, j'ai béni Dieu. I bless God. Jésus accepte l'invitation. Jesus accepts the invitation. Il entre avec ses disciples. He enters with his disciples. Ils ne savaient pas que Jésus viendra. They didn't know that Jesus would come. Elle a seulement saisi l'occasion. She just took advantage of the opportunity. Okay, maintenant il faut commencer à préparer, à s'arranger. So now we have to start cooking and getting things together. Elle se met au travail, elle est au four et au moulin. And she begins to work. À sa surprise, to her surprise, pendant que Jésus attend, while Jesus is waiting for the food, sa sœur est assise, elle ne fait rien. Her sister is seated and doing nothing. En train de regarder Jésus. Looking at Jesus. La Bible dit en train d'écouter. The Bible says listening. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved. Qui était là? Who was there? Jésus et les disciples. Jesus and his disciples. La Bible dit Marie et Marthe. The Bible says Mary and Martha. Peut-être Lazare était sorti. Maybe Lazarus had gone out for the day. Maintenant. Now. Ça, c'est eux que nous voyons. These are the people that we see. Mais il y a une réalité spirituelle. But there is a spiritual reality dont la Bible parle. That the Bible speaks of. Dans le monde spirituel, in the spiritual world, nous sommes toujours environnés. We are always surrounded des témoins by witnesses qui nous regardent. By a crowd of witnesses that watch us. Regardent. That watch us. Dans le monde spirituel, in the spiritual world, il y a aussi les diables. There is also the devil. Toi, tu ne le vois pas. You don't see him. La Bible dit il rôde. The Bible says he roams around. Un lion rugissant. Like a roaring lion. Il cherche. Looking. Qui il va dévorer. For who to devour. Quand Job vivait en paix avec sa femme et ses enfants et toute sa bénédiction. When Job was living in peace with his wife, with his children and all that he had. Il ne savait pas que le diable venait voir. He didn't know that the devil was coming to see. Comment je vais détruire cet homme-là? How am I going to destroy this man? Il est même parti chez Dieu. He even went to God. Enlève, je vois une histoire qui le enlève ça, enlève cette protection-là. A certain protection, just remove that. Job n'était au courant de rien. Job was not aware of any. Le diable le cherchait, le cherchait. The devil was looking for him, looking for him. Quand il y a une bénédiction qui arrive chez toi. When there is a blessing that lands with you. Toi, tu décides d'inviter Jésus. You decide to invite Jesus. Et Jésus est là. And Jesus is there. Tu crois que le diable ne va rien faire? Do you think the devil won't do anything? Le diable connaît. The devil knows. Quand Jésus arrive, when Jesus arrives, même si tu vois les mains de Jésus n'ont rien, even if you see that Jesus's hands are empty, Jésus n'est pas vide. Jesus himself is not empty. Non. No. Parce que quand Jésus arrive, because when Jesus les arrives, gens sont guéris. People are healed. Les gens sont délivrés. People are delivered. Les gens sont pardonnés. People are forgiven. Même les morts ressuscitent. Even the dead raise. Les gens sont nourris. Ils prennent le pain, le poisson, ils multiplient. People are fed. He takes bread and fish and multiplies. Tout ça pour les gens. All that for people. Et le diable voit que Jésus est chez toi. And the devil now sees that Jesus is in your home. Et il ne va rien faire. And you think he won't do anything. Réfléchis deux fois. Think twice.
Réfléchis deux fois. Think twice. Il va chercher un moyen He will look for a means pour venir là-bas. To come there. Oh, cela me fait penser à ce que nous avons vu la semaine passée ou l'autre là. That makes me think of what we saw last time or 2 weeks ago. Vous vous rappelez de Simon le pharisien? You remember Simon the Pharisee? Lui aussi a décidé. He also decided. Jésus vient manger chez moi. Jesus come eat at my home. Jésus est venu. And Jesus came. Jésus n'était pas venu vide. Jesus didn't come empty. Simon a invité ses amis. Invited his friends. Jésus a accepté de venir chez moi. Venez. Jesus accepted to come to my home. Everyone come. Simon avait des moyens. Simon had means. Ils ont bien préparé. They cooked well. Ils mangeaient. And they were eating. Il y a une femme. There is a woman. Qui venait en pleurant. Who came in tears. Elle est entrée. She entered in. Elle est venue se prosterner aux pieds de Jésus. She came to bow down at the feet of Jesus. Elle a versé ses larmes aux pieds de Jésus. She poured out her tears at the feet of Jesus. Vous connaissez cette histoire, nous l'avons vue. You know the story, we saw it. Maintenant. Now. Les gens qui mangeaient. The people that were eating. Et Simon lui-même. And Simon himself. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de Jésus? What did they receive from Jesus? Ce jour-là, ce jour-là. On that day. Rien. Nothing. Pourquoi? Why? Parce que dès que cette femme-là est arrivée, because as soon as that woman arrived, ils ont commencé à penser. They began to think. Simon lui-même dit. Simon himself says. Si cet homme était prophète. If this man was really a prophet. Ah! Oh, comment il se laisse toucher par une pécheresse? How is he letting himself pécheresse. Be touched by such a sinful woman? Pécheresse, pécheresse. A sinful woman. La Bible dit les amis de Simon. The Bible says that Simon's friends. Qui mangeaient. That were eating. On commençait à dire entre eux. They began to say amongst themselves. Cet homme ici. This man. Cet homme ici. This man. En mangeant. As they were eating. Cet homme ici. They said this man. Cet homme ici. This man. Ce jour-là, on that day, cette histoire de penser, de regarder les pécheurs, les pécheresses, that business of looking and watching the sinners and the sinful women, d'exercer le doute, est-ce que ça c'est un vrai prophète ou pas? Of exercising doubt, is this man a true prophet or not? A fait qu'à la fin de la nourriture, made it so that at the end of the meal, Jésus est sorti. Jesus left. Avec la guérison, with healing, avec le pardon, with forgiveness, avec la délivrance, with deliverance, avec la résurrection des morts, with the resurrection qu'il était of the dead, capable de faire, he was capable of doing il est sorti. But he left. Il est parti. And he went out. La pécheresse the sinful woman était sauvée, was saved, délivrée, delivered, et en anglais on dit set free, c'est-à-dire libérée. And set free. Elle était la seule. She was the only one. Ce n'est même pas elle qui a invité Jésus. And she's not even the one who invited Jesus. Pourquoi? Why? Entre Simon et ses amis. Between Simon and his friends. Et la pécheresse. And the sinful woman. C'est seulement elle qui avait la foi. She's the only one who had faith. Que si je pars là-bas, je pleure, Jésus va me pardonner. That if I go there and I weep, Jesus will forgive me. Les autres the others, avaient Jésus, they had Jesus, mais ils avaient le doute. But they had doubt. Et le fait de regarder les gens, and the fact of looking at people, de se comparer aux autres, comparing themselves to others. Le diable, the devil, s'il ne peut pas venir comme ça, if he cannot come like this, il va te distraire. He'll distract il met une pensée dans ta tête. He'll place a thought in your mind. Cette pensée-là suffit. And that thought is enough. Pour enlever l'occasion pour toi de croire. To remove that opportunity that you have to believe. Et de recevoir de la part de Jésus. And to receive from Jesus. Maintenant, imaginez. Now imagine. Oh, quand j'ai pensé à ça, j'ai pleuré. When I thought of this, I wept. Simon lui-même. Simon himself. Il n'avait pas d'enfants. Did he not have children? Il n'avait pas de frères. Did he not have brothers? Il n'avait pas de sœurs. Did he not have sisters?
S'il a vu Jésus, dit Jésus viens chez moi. If he saw Jesus and he said Jesus come to my house. Ses amis disent, les amis, hey, Jésus est chez moi, venez. And he calls his friends and he says, Jesus is with me, come. Ces amis-là, those friends, n'avaient pas d'enfants, did they not have children, n'avaient pas de frères, did they not have brothers, dans leur famille élargie, in their extended family, il n'y avait personne qui était malade, was there no one who was sick, personne qui était possédé, no one who was possessed. Maintenant, imaginez, now imagine, si l'un d'eux, if one of them, avait peut-être un neveu ou une nièce ou un cousin, maybe had a nephew or a niece or a cousin, qui a un enfant qui est possédé d'épilepsie, that had a child that was possessed by the demon of epilepsy, et il apprend, and he hears, il y a un papa quelque part, there is a father somewhere, quand il a appris que Jésus est quelque part, when he heard that Jesus was somewhere, il a mené son enfant épileptique, he brought his epileptic son, Jésus a guéri cet enfant-là, and Jesus healed that child. Il a appris comment? How did he hear? Je ne sais pas, quelqu'un lui a dit, hey, viens avec ton enfant, Jésus est là-bas avec ses disciples. I don't know, someone told him, come with your child, Jesus is in this place with his disciples. Lui, il a son enfant épileptique. And he has his own epileptic child. Mais où est Jésus? And he says, where is Jesus? On lui dit, they tell him, mais il vient de partir. He just left. Il était chez ton cousin. He was at your cousin's house. Quoi? What? Ou bien ta cousine était parmi les invités de Simon. Or your cousin was among those that were invited by God. Elle était au courant que Jésus est là. She was aware that Jesus was there. Quoi? What? Elle a vu Jésus. She saw Jesus. Elle n'a pas pensé à moi. And she didn't think of me. Notre enfant qui est épileptique. And our child that is epileptic. Elle savait que Jésus guérit les épileptiques. She knew that Jesus heals the epileptic. Qu'est-ce que cet homme ou cette femme passera de son cousin ou sa cousine? What will that man or that woman think of their cousin? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là pour eux-mêmes seulement. That means they weren't there just for themselves. Ce que Jésus avait. What Jesus had. Il pouvait même dire à quelqu'un, cours, va chercher cet enfant-là, amène-le, Jésus est ici. They could have even told someone, go run and get that sick child and bring them, Jesus is here. Mais ils étaient distraits. But they were distracted. Cette femme-là est une pécheresse. That woman is a sinner. Ah, cet homme, est-ce qu'il est vraiment? That man, is he really? Le diable a volé l'occasion. The devil stole the opportunity. Qu'un enfant soit guéri. For a child to be healed. Ça, c'est seulement mon imagination. That's just my imagination. Et eux-mêmes, and they themselves, à la fin des temps, at the end of the day, lorsque la porte du ciel sera ouverte, when the doors of heaven will be open, pour ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en qui ont donné leur vie à Jésus, for those who received Jesus and have given their lives to Jesus, et ils iront où? Where will they be? Bon, Simon t'a invité. Simon invited you. Laissez Simon de côté. Let's put Simon toi to the même, side. Tu as vu Jésus. You yourself, you saw Jesus. Et puis il est parti. And then he left. Bien aimé, c'est la même technique. Beloved, it's the same technique. Que le diable est venu. That the devil came with. Quand il a vu. Marthe a ouvert sa maison. When he saw Martha opened her home. Ah non. No. Non, 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 non. Pendant que Martha a vraiment le cœur de bénir Jésus. While Martha really had the heart to bless Jesus. Regarde ta sœur. Look at your sister. Comment ta sœur te laisse vraiment? Comment? How is it that your sister's really leaving comment? You like this? How? Et même Jésus là. And even that Jesus. Ne voit-il pas? Does he not see? Mais c'est la même technique. It's the same technique. Martha vini. So Martha came. Martha vini. And so Martha came. Celle qui a invité Jésus avec joie. The one who invited Jesus with joy. Est tombée dans le piège. Fell into the trap. Bien-aimé. Beloved, la Bible dit ceci. The Bible says this. Que c'est lui qui est debout, hein? Let the one who stands. Fasse attention. Be careful. Parce qu'il ne pense pas que toi tu ne peux pas tomber. Because don't think that you can't fall. C'est elle qui a pris l'initiative. She is the one who took the initiative.
c'est elle qui est tombée dans les pièges. And she's the one who fell into the trap. Maintenant, elle vient. Now she comes. Non seulement elle dit à Jésus. Not only does she tell Jesus. Seigneur. Lord. Est-ce que toi, la santé fait pas mal? You sitting there, does that not hurt you? Hey, quel courage! What courage! Si les démons ont peur de Jésus, if demons are afraid of Jesus, quand Jésus vient, when Jesus comes, moi je me prosterne. I will bow down. Mais elle a le courage de dire, Seigneur Jésus, comment? She has the courage to say, Lord Jesus, what's going? What is this? Ça vient d'où? Where does that come from? Elle donne même les ordres à Jésus. She even commands Jesus. Mais dis à ma sœur de venir. Tell my sister to come. Qui donne les ordres à Jésus? Who commands Jesus? Il y a quelqu'un qui disait. There's someone who would say. Si tu donnes un ongle au diable, if you give one fingernail to the devil, il va prendre les doigts. He'll take the finger. Avant que tu le saches, and before you know il a pris la main. He'll take the hand. Avant que tu le saches, before you know l'avant-bras est pris. Avant que tu le saches, il t'embrasse. He has you. N'ouvre même pas une petite porte. Don't even open a small door. Est-ce que ça c'est vraiment Marthe? Is that really Martha? Tombée dans les pièges. She fell into the trap. Qu'est-ce que le diable voulait? What did the devil want? Mais quand toi tu te mets comme ça, when you get up like this, tu risques que Jésus se mette debout et Jésus part. You are risking that Jesus gets up and walks out. Et Marie. And Mary. Quand elle écoute comme ça, when she's hearing this, que toi, and you, tu ne m'aides pas. You're not even helping me. Il y a très peu de femmes. There are very few women. Tu l'attaques comme ça en face. That you can just attack them to their face. I don't care si tu es sa sœur. It doesn't matter if you're her sister. Elle va répondre. She will answer. Ce qui m'étonne. The thing that surprises me. Ce qui m'étonne. The thing that shocks me. Ce qui m'étonne. The thing that shocks me. Nous voyons Marthe tomber dans les trous, dans le piège du diable. We see that Martha fell into the trap of the devil. Jésus. But Jesus. Jésus. Jesus. Oh, j'aime Jésus. I love Jesus. Oh, j'aime Jésus. I love Jesus. Jésus l'appelle par son nom. Jesus calls her by her name. Deux fois. Twice. Marthe. Martha. Marthe. Martha. Vous savez, quand quelqu'un qui t'aime, you know, when someone who loves you, la manière même qu'il prononce ton nom, the way they even call your name, ça te remet en place. It brings you back. Jésus dit, Marthe. Jesus says, Martha. Marthe. Martha. Marthe se remet. And Martha gets back within herself. Jésus ne dit pas, pourquoi tu attaques ta sœur? Pourquoi? Non. Jesus didn't say, why are you attacking your sister like this? No. Jésus démontre l'amour. Jesus demonstrates love. Jésus montre à Marthe. Jesus shows Martha. Ce que le diable vient de placer dans son cœur. What the devil just placed into her heart. Marthe. Martha. Tu es distraite. You're distracted. Marthe. Martha. Tu t'inquiètes. You're worried. Beaucoup de choses about many things qui ne sont pas utiles, that are not useful. Une seule chose, there is only one thing qui est important, that is important. Ta sœur a trouvé ça. And your sister has found it. On peut pas lui arracher ça. And it can never be taken from her. Bien-aimé. Beloved. Avant que nous puissions voir quelle est la chose là que Marie a trouvée. Before we see what is that thing that Mary found. Je suis étonné. I am surprised. Marthe écoute Jésus. That Martha listens to Jesus. Marthe arrête de parler. And Martha stops speaking.
Elle ne dit pas, oh, mais Seigneur, ce que je dis vraiment, c'est que tu ne vois pas toi. Non. She didn't say, but Lord, what I'm saying is kind of true. You don't see yourself. No. Ça veut dire quoi? What does that mean? Elle a compris. She understood. Jésus. Jesus. Même. Loves me. Jésus. Jesus. Jésus même. Loves me. Ça, c'est ce que je pense. This is what I think. Parce qu'elle n'a plus rien dit. Because she didn't say anything anymore. Elle est rentrée. She went back. Terminé à travailler. You finished working. Et l'histoire s'arrête là. And the story ends there. J'aurais aimé savoir les détails. I would love to know the rest of the details. Est-ce qu'ils ont mangé? Did they eat? Certainement, ils ont mangé parce que Jésus a accepté l'invitation. Certainly, they ate because Jesus accepted the invitation. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils mangeaient? What happened when they were eating? Est-ce que Marie mangeait? Was Mary eating? Certainement, elle mangeait. Sure, she was eating. Quand Martha passait, when Martha was passing, est-ce qu'elle regardait Marie comme ça? Did she give Mary a look? Vous savez, certains regards, you know, certain looks, le regard seulement, just the look alone, la nourriture dans ta bouche change de goût. The food in your mouth taste, changes taste. Je ne sais pas. I don't know. J'aurais vraiment aimé connaître tous ces détails-là. I would have loved to have known all those details. Je sais que Jésus a mangé. I know that Jesus ate. Je sais que les disciples ont mangé. I know that the disciples ate. Et je sais que la paix était là. And I know that peace was there. Et je sais. And I know. Que à la fin. That at the end. Quand Jésus est parti. When Jesus left. L'amour. Love. Et la paix. And peace. Sont restés dans cette maison-là. Stayed in that home. Parce que si Jésus lui-même dit, because if Jesus himself said, là où on vous reçoit, where they receive you, quand vous sortez, when you leave, laissez la paix là-bas. Leave your peace there. Vous croyez que là on a reçu Jésus? Do you think that where Jesus was received, quand il est sorti, il a laissé quoi? When he left, what do you think he left behind? La paix. His peace. Entre Marie et sa sœur. Between Mary and her sister. L'amour. Love. Entre Marie et sa sœur. Between Mary and her sister. L'entente. Understanding entre Marie et sa sœur. Between Mary and her sister. Comment est-ce que cela est arrivé? How did this happen? Comment est-ce que cela est arrivé? How did this happen? C'est parce qu'il a dit à Martha. It's because he told Martha. Ta sœur, your sister, a trouvé, has found, la chose qui est importante. The thing that is important. Elle a reçu ça. She has received it. Qu'est-ce que Marie a reçu? And what did Mary receive? La Bible dit elle était assise. The Bible says she was seated. En train d'écouter Jésus. Listening to Jesus. Maintenant, quand tu écoutes Jésus, now when you listen to Jesus, ça produit quoi? What does it produce? Ça produit la foi. It produces faith. La Bible dit la foi, the Bible says, vient faith de ce qu'on entend. Comes by hearing. C'est qu'on entend de la bouche de Dieu. And hearing from the mouth or from the word of God. Quand elle a écouté Jésus, when she heard Jesus, elle a reçu. She received. Il y a un transfert qui s'est fait entre Jésus et la personne qui s'assoit et qui écoute. That was done between Jesus and the person who sits and listens. La Bible dit ceci. The Bible says chaque this. Chaque matin. Every morning. Vous vous rappelez de ce passage-là d'Ésaïe? Remember that passage. Chaque matin. Every morning. J'écoute. I hear. Comme écoutent les disciples. I listen as the disciples hear. Quand les disciples écoutent. When the disciples listen. Ils écoutent avec un oreille. They listen with an ear et un cœur and a heart qui met en pratique ce qu'ils ont écouté. That puts into practice what they have heard. C'est ça la foi. That is faith. Ce qu'ils écoutent, what they hear, produit en eux la foi. Produces faith in et quand them ils mettent en pratique, and when they put it into practice, non seulement leur vie change, not only do their lives change, mais ils sont capables de changer leur environnement. But they're able to change their environment. Pourquoi? Why? Parce que un disciple accompli devient comme le maître. Like c'est-à-dire le disciple qui a suivi, qui a mis en pratique. That means the disciple who has followed and put into practice. Il devient comme le maître. Becomes like the master. Comme Marie a écouté. Since Mary heard. Elle a mis en pratique. And she put into practice. Elle n'a pas répondu à sa sœur. She didn't answer her sister back. Qu'est-ce que tu crois? Non. What do you think? Non. Elle a répondu comme Jésus. She answered like Jesus. Et quand Jésus est parti, and when Jesus left, elle a, avec abondance d'amour, pris soin de sa sœur. With an abundance of love, she took care of her sister. Oh, je pense même qu'elle a dit, I think she even said, grande sœur, big sister, c'est vrai que tu as travaillé.
It's true that you worked. Oh, la nourriture était délicieuse. And the food was delicious. Maintenant, now, assieds-toi. Sit down. Je vais faire le travail. Let me do the rest of the work. Je vais nettoyer. Let me clean up. Je vais clean up. Let me Je vais tout arranger. Let me get toi, repose-toi. Take some rest. Tu crois que comment Marthe allait recevoir ça? How do you think Martha would have received avec it? Joie, with avec joy, joie, with joy, with avec joy. Joie. Marie a reçu. Mary received l'essentiel. The essential. L'essentiel. The essential. Quand tu es assis. When you are seated. Quand tu décides. When you decide. De t'asseoir. To sit. Et de recevoir. And to receive. D'abord. First, premièrement, first, avant toute autre chose, before every other thing, ce qui sort de la bouche de Dieu pour what toi, comes out of the mouth of God for ce you, qui sort de la bouche de Dieu pour toi, what comes out of the mouth of God for you, quand tu décides de le faire, when you decide to do that, ta décision, your decision, suivie d'une mise en pratique, followed by putting into practice, va se faire voir par les résultats, will be seen by its results, dans ta vie, in your life, dans ta famille, in your family, dans ton avenir, in your future, ça va se faire voir. It will be seen. Vous croyez que le diable est venu seulement souffler des choses à Marthe? Do you think that the devil just came to whisper things to Martha alone? Il n'a pas soufflé des choses à Marie. He didn't whisper anything to Mary. Marie a décidé. Mary decided. Comme j'ai Jésus maintenant. Since I have Jesus now. Et les diables, and the devil, et les distractions, and the distractions, et toute autre chose, and every other thing, dehors de moi, outside of me, dehors de moi, outside of me, le temps de décider, the time to decide, elle a décidé, she decided, de se donner à Jésus, to give herself to Jesus, complètement, completely, complètement, completely, et là, and there, elle a reçu. She received. Elle a reçu la paix. She received peace. Elle a reçu l'amour. She received love. Elle a reçu la transformation. She received transformation. Elle a même reçu. She even received. Ce que nous ne voyons pas là-bas. What we don't see there. Hier. Yesterday. À la fin de la prière des serviteurs. At the end of the servant's prayer. Dieu m'a montré quelque chose. J'ai partagé ça aux serviteurs. God showed me something. I shared it with the servant. Vous savez, les cieux et la terre. You know, heaven and the earth. L'univers. The universe. Combien c'est grand. How huge it is. La Bible dit Dieu soutient ça par sa main. The Bible says that God holds it by his hand. Combien grande est la main de Dieu. How big is the hand of God? Maintenant, si Dieu prend quelque chose avec sa main. Now, if God takes something with his hand. Il vient te donner. And he comes and he gives it to you. Combien grand cela est? How big must that thing be? Si toi tu es petit comme ça, if you're small like this, tu vas prendre une petite partie aujourd'hui. You take a small part for today. Une petite partie demain. A small part for tomorrow. L'année prochaine. The next year. Ta vie se termine. Your life is over. Tes enfants vont commencer à prendre. Your children will begin. Les autres générations vont commencer. The other generations. Ce que Dieu t'a donné une fois. What God gave you. Ce que Dieu t'a donné une fois. What God gave you. Ce que Dieu t'a donné une fois. What God gave you once. Ce jour-là. On that day. Marie a reçu. Mary received. La paix pour ce jour-là. Peace for that day. La paix pour elle. Peace for herself. L'amour pour elle. Love for herself. Et pour sa sœur. And for her sister. Pour leur maison. For their house. Pour ce jour-là. For that day. Et pour les jours à venir. And for the days to come. Parce qu'il s'est fait. Because it happened. Que quand Jésus était parti. That when Jesus left. Le diable ne s'arrête pas. The devil does not stop. Il est revenu. He came back. Il a trouvé, ils sont en paix. He found that they are at peace. Ils sont dans la joie. They are rejoicing. Ils sont en bonne santé. They are in good health. Ils cherchent maintenant leur frère. Now he's looking for their brother. Il amène une maladie. He brings a sickness. Il attaque leur frère. He attacks their brother. Attaque leur frère. Attacks their brother. La maladie le menace au point de le tuer. That sickness threatens him to the point of death. Je pense I think que c'est Marie that it's Mary qui a dit, on appelle Jésus. Who said, let's call Jesus. On appelle Jésus. Let's call Jesus. On appelle Jésus. Let's call Jesus. Ils ont envoyé Marie et Martha, se sont entendus. And Mary and Martha came together. Tu vois? You see? Dans l'amour. In love.
ensemble together, pour leurs frères maintenant. For their brother now. Ils envoient quelqu'un. They send someone. Allez appeler Jésus. Go and call Jesus. Dites-lui. Tell him. Lazare. Celui que tu aimes. The one that you love. Parce que nous savons que tu aimes notre famille. Because we know that you love our family. Tu l'as prouvé. You proved it. Ta paix là. That peace of ton amour là that love que tu as investi est ici. That you invested is still here. Celui que toi tu aimes the one that you love est en train d'être menacé par la maladie et il est près de mourir. Is being threatened by sickness and is at the point of death. Viens. Come. Ensemble. Together. Pour leurs frères. For their brother. Les gens partent. People run. Ils trouvent Jésus. They find Jesus. C'est comme si Jésus n'a pas entendu. And it's as if Jesus didn't hear anything. Il n'est pas venu. He didn't come. Lazare meurt. Lazarus died. Parfois, sometimes, tu vois, oh, Jésus m'aime. You see, Jesus loves me. Mais certaines réalités peuvent arriver. But certain realities can happen. Le diable a tué Lazare. The devil killed Lazarus. Comment celui que Jésus aime est mort? How is it that the one that Jesus loved is dead? Ça secouait la foi de Marthe. It shook Martha's faith. Mais pas Marie. But not Mary. Parce qu'elle était assise là. Because she was seated there. Elle a pris, comment on dit, first hand, directement de Jésus. She received first hand from Jesus. Jésus se présente 4 jours après. Jesus strolls in 4 days later. On a pleuré. We cried. On a enterré. We buried him. Et enfin lui vient. And finally he shows up. Martha ne sort même pas. And Martha doesn't even come. Marie court. Mary runs. Ce qu'elle a reçu là. What she received. Même si on a enterré. Even if he was buried. Même s'il pourrit. Even if he's wrong. Lui l'a reçu ça. He received it. La, non, le fait de mourir et pourrir ne peut pas arracher ce qu'elle a reçu. The fact of dying and rotting can't snatch what she received. Elle sort. She goes out. Elle vient rencontrer Jésus. She comes and encounters Jesus. Si tu étais ici. If you had been here. Jésus lui dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Jesus said, what did I tell si you? Tu crois? If you believe. Seigneur, je crois. Lord, I believe. À la résurrection. Jésus dit, non, pas la résurrection, je suis ici. We're not speaking of the resurrection. Je suis ici I'm maintenant. Here, now. The end of the story. At the end of the story. La fin de l'histoire. At the end of the story. Jésus a dit où est-ce que vous l'avez mis. Jesus said, where did you put him? Lazare. Lazarus. Sort. Come out. Lazare. Lazarus. Sort. Come out. Bien-aimé. Beloved. Nous allons prier. We're going to pray. Mais je vais te poser une question. But I want to ask you the question. Marie. Mary. A reçu. Received. La résurrection de Lazare. The resurrection of Lazarus. Quand? When? Le jour où Lazare sortait comme ça du tombeau. The day when Lazarus was coming out of the tomb. Ou le jour où elle était assise là au pied de Jésus. Or on the day when she was seated at the feet of Jesus. Jésus a dit, elle a choisi. Jesus said she has chosen. Elle a décidé. She has decided. Elle a choisi. She has chosen. Ce qui est le plus important. What is more important. On ne peut pas lui arracher ça. No one will take that from her. Moi, je crois. I believe. Ça, c'est moi. This is me. Ce jour-là, quand elle a reçu de Jésus. On that day when she received from Jesus. Nous voyons que la paix est entrée dans sa maison, l'amour est entré entre elle et sa sœur. We see that peace entered into her home, love entered between her and her sister. Ils ont partagé avec leurs frères. They shared with their brother. Et elles ont, se sont mises ensemble pour leurs frères. And they came together for their brother. Ce jour-là, on that day, elle avait reçu she received même la résurrection de son frère. Even the resurrection of her brother. Elle avait reçu ça déjà. She received it already. Parce que quand la main de Dieu donne, because when the hand of God gives, donne pour aujourd'hui, gives for today, pour demain, for tomorrow, pour l'année prochaine, for next year, pour les générations à venir, for the generations quand to Dieu donne, when God gives, quand Dieu donne, when God gives, c'est à toi et à moi, it's up to you and me, de prendre la décision. To make that decision. Quand tu regardes ta situation, when you look at your situation, comme ce garçon-là, like that young man, il a regardé son père, he looked at his father. Il a décidé. And he decided.
vous voyez les résultats de sa décision. And now you see the results of his son frère aussi. His father a also. Regardé son père. He looked at his father. Ah, il a dit, rien de bon ne sortira même de moi. And he said, nothing good can come from me either. Aujourd'hui, today, la Bible dit ceci. The Bible says this. Là où deux ou trois where two or three sont réunis à mon nom. Are gathered in my name. Je suis là. I'm there. Jésus est ici. Jesus is here. Moi, I je vais suivre l'exemple de Marie. Will follow the example of Mary. Je vais aller. I will go. M'asseoir. And sit. Fixer mes regards sur lui. Fix my eyes on him. Lui donner mes oreilles. And give him my ears. Et dire, Seigneur, parle. And tell him, Lord, speak. Seigneur, transmet. Lord, transmit. Seigneur, transmet. Lord, transmit. Je n'autorise ni au doute. I don't give authority to doubt. Ni à la maladie. Or sickness. Ni à la mort. Oh, on a déjà enterré. Je n'autorise pas. Death, though he's already been buried, I don't authorize. Je décide I decide de venir to come. Parce qu'au pied de Jésus là, Jesus, au pied de Jésus là, je peux recevoir maintenant I can receive now pour moi, for myself, je peux recevoir I can receive pour toi, for you, je peux recevoir I can receive pour les générations à venir. For the generations to come. The generations to come. The generations to come. Ce qu'il a fait pour Marie. What he did for Mary. Ce qu'il a fait pour Martha. What he did for Martha. Ce qu'il a fait pour Lazare. What he did for Lazarus. Est disponible aujourd'hui. It is available today. Disponible aujourd'hui. It's available today. Disponible aujourd'hui. It's available today. Bien-aimés, nous allons prier. Beloved, we're going to pray. Nous allons prier. We're going to pray. Je veux que tu prennes la position que tu veux. I want you to take whatever position you'd like. Si tu veux t'asseoir, if you want to sit at the feet of Jesus, go ahead and do it. Si tu veux te prosterner, if you want to lay at the feet of Jesus, go ahead and do it. Si tu veux te mettre debout, if you want to stand up, l'adorer, le louer, and worship him, fais-le. Do it. Fais-le. Do it. Mais à tout prix, but at all costs, fais une chose. Do something. Fais une chose. Do something. Prends la décision. Make that decision. Que Marie a prise. That Mary took. Ne voyait-elle pas qu'il y a du travail à faire à la cuisine? Could she not see that there was work to be done in the kitchen? Jésus n'est pas venu seul. Jesus didn't come alone. Il y avait 12 disciples. There were 12 disciples. Ne voyait-elle pas ça? Could she not see that? Elle a décidé. She decided. Ça peut attendre. It can wait. Ça doit attendre. It has to ce wait. Qui est essentiel. What is essential? C'est Jésus et moi. Is Jesus and me. Jésus et moi. Me and Jesus. Bien-aimé, parlez-lui. Beloved, speak to him. Parlez-lui. Speak to him. Il est ici maintenant. He is here right now. Parlez-lui. Speak to je him. Vois la main de Dieu. I see the hand of God. Comme je l'ai vu hier à la fin de la prière des serviteurs. Like I said yesterday at the end of servants' prayer. En train de déverser. He's pouring out. Dieu va déverser God will pour ce out que toi tu demandes. What you ask. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner. What men cannot give you. Ce qui se trouve seulement dans la main de Dieu. What is only found in the hand Dieu of va God. Déverser ça God will pour it out. À la réponse à ta prière. As an answer to your prayer. À la réponse à ta prière. As an answer to your prayer. Parle-lui maintenant. Speak to him now. Lève ta voix. Lift up your lève voice. Ta voix. Lift up your et prions voice. Ensemble. And let's pray together. Oh Seigneur, merci. Lord, thank you. 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 Moi, je crois que tu es passé à dessein. I believe that you passed by. Dans le village là, on purpose in that village, à côté de la maison de Martha, next to Martha's home, parce que tu avais because you have avec toi with you, la résurrection de Lazare. The resurrection of Lazarus. Tu avais you had avec toi with you, la résurrection de Lazare. The resurrection of Lazarus. Et même si Lazare était absent ce jour-là, even if Lazarus was absent on that day, toi, tu aimais Lazare. You loved Lazarus. Tu es venu you came, et dans ta main, and in your hand, tu as cherché à qui déposer ça. You looked for
for who to give it to. Oh, tu as trouvé Marie. Oh, you found Mary. Tu as trouvé Marie. You found Mary. Marie s'est connectée. Mary was connected. Marie s'est connectée. Mary connected herself. Ce matin. This morning. Ce matin. This morning. Que mon âme se connecte à toi. May my soul connect to you. Que mon cœur se connecte à May toi. May my heart connect to que you. Que ma vie se connecte à toi. May my life connect to you. Que mes yeux soient fixés sur toi. May my eyes be fixed on you. Que mon oreille, mes oreilles s'ouvrent sur ta parole. May my ears open on your word. Et que dans mon cœur soit une seule décision. May there be a single decision. À ta parole. To your word. À ta parole. To your word. J'agirai. I will act. À ta parole. At your word. Je vais agir maintenant. I will act now. À ta parole. At your word. Je vais agir demain. I will act tomorrow. À ta parole. At your word. Je vais agir à jamais. I will act forever. À ta parole. At your word. À ta parole. At your word. Seigneur parle. Lord speak. Seigneur parle. Lord speak. Parce que quand tu parles, because when you speak, ta parole touche maintenant. Your word touches now. Ta parole touche demain. Your word touches tomorrow. Ta parole touche l'année prochaine. Your word touches the next year. Ta parole touche les générations à venir. Quand tu parles, la paix entre. La paix entre dans mon cœur. La paix entre dans ma maison. La paix entre dans mes relations. Quand tu parles, la foi est née dans mon cœur. Et le produit de la foi, c'est le miracle de ta main. C'est le miracle de ta main. C'est les miracles de ta main. C'est les miracles de l'amour qui s'impose dans ma maison. C'est les miracles de la réconciliation qui s'impose dans mes relations. C'est les miracles de la résurrection qui apparaît maintenant pour l'avenir. Pour l'avenir qui détruit déjà les projets des maladies. The projects of sickness, les projets de voler, the projects of les projets de tuer, the projects of que le diable est en train de fomenter that the devil is putting together, à cause de ta parole, because of your word, à cause de ta parole, because of your word, tous les projets du diable every project sont of the devil nuls et sans effet, is void and without effect, nuls et sans effet, void and without au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in the name of Jesus, que ta gloire descende. May your glory come down. Que ta gloire descende. May your glory come que ta down. Gloire descende. May your glory come que ta down. Gloire descende. May your glory come nous down. Prenons la décision, we take the decision de nous asseoir. To sit. De nous asseoir to sit. À tes pieds. At your feet. De nous asseoir to sit. À tes pieds. At your feet. De nous asseoir to sit. À tes pieds. At your feet. De nous asseoir to sit. À tes pieds. At your feet. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Lord, we bless you. Seigneur, nous te louons. Lord, we praise you. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. You're not the son of a man to lie. Tu n'es pas un homme you're not a man pour changer d'avis. To change your mind. Ce que tu as dit, what you said, ta main l'a déjà accompli. Your hand has already ce que tu as dit, what you said, ta main l'a déjà accompli. Your hand has already ce qui sort de ta bouche what comes out of your est déjà accompli. Is already nous done. Te bénissons. We bless you. Nous 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 te rendons grâce. We give you glory. Et nous t'adorons. And we worship. Ce matin encore, this morning, nous nous prosternons. We bow down à tes pieds. At your feet. Ce matin encore, this morning, nous nous prosternons. We bow down à tes pieds. At your feet. Sois loué. Be praised. Sois béni. Be blessed. Sois glorifié. Be glorified. Toi qui as reçu le nom, you who received the name, qui est au-dessus de tout. That is above every name. Le nom devant lequel the name before which tout genou fléchit every knee bow et toute langue confesse and every tongue confesses que tu es Seigneur that you are Lord à la gloire du Père to the glory of the Father Seigneur Lord à la gloire du Père to the glory of the Father Seigneur Lord à la gloire du Père to the glory of the Father. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Let's clap for the Lord. Bien-aimé. Beloved. De tout mon cœur. With all my heart. J'espère que tu as pris cette décision. I hope that you made that decision. Que ce que Jésus a dit de Marie.
That what Jesus told Mary s'applique sur toi. May be applied aujourd'hui. On you today. Tu as choisi. You have chosen la bonne part. The good portion. Elle ne te sera jamais ravie. And it will never be taken from you. Te sera jamais ravie. It will never be taken from you. Te sera jamais ravie. It will never be taken from you. Amen. 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 Nous allons nous préparer pour donner nos dîmes et nos offrandes. We're going to prepare ourselves to give our tithes and our offering. Et si vous êtes en train de nous suivre en ligne, même dans la salle, following us online or in the room, vous allez voir comment donner sur l'écran. You'll see the different ways in which you can give on the screen. Si vous êtes dans la salle, if you're in the room, vous pouvez choisir de donner d'une manière traditionnelle. You can choose to give in a way that is traditional. C'est-à-dire, prenez une enveloppe. That means take an envelope. Utilisez les QR codes. Use the QR code. Ou bien utilisez votre carte bancaire. Or you can use your bank card. Nous encourageons de donner d'une manière électronique. We encourage you to give in a way that is electronic. Pour la gloire de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit, the Lord himself said, mettez-moi à l'épreuve. Put me to the test. Et vous verrez. And you will see, si je n'ouvre pas les églises des cieux, if I don't open the windows of heaven, il a dit qu'il ordonnera à la bénédiction de descendre. He said that he will command his blessing to come down. Il a dit qu'il va menacer les dévoreurs. He said that he would rebuke the devourers. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Oh, may the name of the Lord be glorified. Nous allons prier pour nos dîmes et nos offrandes maintenant. We're going to pray for our tithes and our offerings. Seigneur, nous te bénissons. Lord, we bless you. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons reçu de toi? What do we have that we have not received from you? En réalité, in reality, nous n'apportons que ce que toi tu nous as donné en premier. We only bring to you what you gave us first. Tu nous as donné au-delà de l'argent. You gave us beyond money. Aide-nous à te donner. Help us to give you. D'abord nous-mêmes. First ourselves. Ensuite tout ce que tu as placé dans nos mains. And then everything that you've placed in us. Et donne-nous la grâce. And give us the grace. D'être une bénédiction. To be a blessing. Pour ceux que tu as placés dans notre vie. For those that you've placed into our lives. Afin que ton nom soit béni. That your name may be blessed. Oh Seigneur, merci. Oh Lord, thank you. Merci d'ouvrir les écluses des cieux. Thank you for opening the windows of heaven. D'ordonner à ta bénédiction de descendre. And commanding your blessing to come down. Ta bénédiction enrichit. Your blessing makes rich. Et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. And you don't follow it up with any sorrow. Merci Seigneur. Thank you Lord. De menacer les dévoreurs. For rebuking the devourer. Il ne viendra pas. He will not stand. Il va même pas oser. He will not even dare. Parce que le feu de Dieu est sur lui. Because the fire of God is on him. Oh Seigneur, merci. Lord, thank you. C'est avec reconnaissance. It is with gratefulness. Et action de grâce. And thanksgiving. Que nous donnons ces offrandes. That we give these offerings. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Notre Sauveur et notre Maître. Our Lord and our Savior. Amen. 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 Pendant que nous donnons nos dîmes et nos offrandes, as we give our tithes and offering, juste quelques annonces, just a few announcements, et puis nous allons prier, and then we're going to pray, pour clôturer ce culte, to close out this service. D'abord aujourd'hui, first of all, today, il y aura une réunion des mamans immédiatement après le culte, there will be a ladies meeting immediately after the service, parce que à la fin de ce mois, because at the end of this month, ce sera la fin de cette semaine, it will be the end of this week. C'est le week-end qui a été choisi pour la retraite annuelle des mamans. It is the weekend that was chosen for the annual ladies' retreat. Donc toutes les mamans, and so all of the ladies, pendant un petit moment, we'll take a small moment, vous vous retrouvez dans la salle de l'école de dimanche, la plus grande salle de l'école de dimanche. You'll meet in the largest Sunday school room. Et vous allez vous connecter avec celles qui ne sont pas dans la salle. And you will be connected with those that are not in the room. Pour ce moment de rencontre spéciale des mamans. For that special time of encounter for the ladies. Et aussi, and also, n'oubliez pas, don't forget, nous sommes dans la ligne de prière. We are on the prayer line. Matin, midi, chaque jour. Morning and noon every day. Matin, midi, soir, jeudi et vendredi. Morning, noon and evening, Thursday and Friday. Pour notre temps d'études bibliques. For our time of Bible study, le jeudi, Thursday, et notre temps de prière d'intercession le vendredi, and our time of prayer and intercession on Friday, et les mamans vendredi à minuit, and the ladies Friday at midnight, sur la ligne de prière, on the prayer line,
Et si vous êtes là pour la première fois, and if you're here for the first time, même si vous suivez en direct ou en différé, even if you're following us live or rebroadcast, allez sur notre page de website. Go on our website. La page d'accueil. The reception page. Vous allez voir le bouton au milieu qui dit connect. You'll see the button in the middle that says connect. Et si vous appuyez ça, and if you click on that, vous avez la possibilité de communiquer avec nous. You have the possibility of communicating with us. Si vous avez un sujet de prière, if you have a prayer request, un témoignage, a testimony, une question, a question, vous pouvez entrer en contact avec nous. You can get into contact with us. Dans la salle, in the room, vous pouvez le faire aussi. You can do so as well. Le même formulaire que nous avons digital. The same form that is there digitally. Nous l'avons ici, on appelle ça connection card. Prenez-la, remplissez et déposez dans le panier. We also have it here. It's a connection card. You can grab it, fill it out. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. We bless the Lord for his love. Nous allons clôturer par la prière. And we're going to close out in prayer. Et pendant que nous prions, and as we pray, nous allons nous rappeler dans notre prière de Pasteur José et sa femme. We're going to remember in our prayers Pastor José and his wife, qui ont pris un temps pour voyager au pays, aller rendre visite à la famille. They took some time to travel back home and visit the family. Gardons-les dans nos prayers. And so let's keep them in our prayers. Nous allons nous mettre debout pour prier, clôturer ce culte. We're going to stand up to pray and close out the service. Souviens-toi. Remember. De la décision d'aujourd'hui. Today's decision. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Au pied de Jésus. At the feet of Jesus. Papa, nous te bénissons. Father, we bless you. Papa, nous te bénissons. Father, we bless you. Toi, tu nous aimes. You love us. Tu nous as visités. You visited us. Tu nous as parlé. You spoke to tu us. Nous as touchés. You touched us. Oh Seigneur, merci. Oh Lord, thank you. Entre tes mains. In your hands. Nous laissons cette semaine. We commit this week. Les préparatifs pour la retraite des mamans. The preparations for the ladies' retreat. Le temps de la prière pendant la semaine. The time of prayer during the week. Le temps spécial de nous asseoir au pied de Jésus chaque jour. The special time of being seated at the feet of Jesus every day. Entre tes mains. In your hands. Pour ta gloire. For your glory. Sois béni. Be blessed. Sois loué. Be praised. Et sois glorifié. And be glorified. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Notre Sauveur et notre Maître. Our Lord and our Savior. Amen. 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 Merci. Que Dieu vous bénisse. Thank you, may God bless you.